comment ça va? Eh ben ça va bien, mais vous avez rien vendu du tout là. Mais non, ça marche pas aujourd'hui. Regardez, il y a personne. Mais venez, mes courgettes. Mais veulent pas. Mes tomates, mes aromates et mes poireaux, ils sont si beaux. Et venez, venez acheter chez Madame Jeanne. Combien vous demandez de nous prêter vos oreilles, de bien pouvoir les décrocher et décoller dans la corbeille ou bien dans le marbre. J'ai peut-être une grosse voix, mais il y en avait un, il était tout riquiqui, tout petit, de rien du tout. Et lui, il avait une grosse voix, hein. Ah bon? Mais on n'entendait que lui. Ah oui, je me rappelle. Oh, il était... Comment il s'appelait déjà? Oh, il avait un nom de chien, Jaco, Jacla ou un truc comme ça. Jaco, le petit Jaco. Oui, le petit... Oui. Oh, et puis sa mère. Elle était jolie, sa mère. Ah, ces musiciens, toujours hein, ouais, à hein. Faire les jolis cœurs. Hein. Oh non, c'est pas ça, mais enfin, c'était... Non, j'appréciais beaucoup ses légumes. Oui, bien sûr. Ah oui, vous savez... C'est un bon gamin. Oh, comme toi, pas, mais mignon. Et rendant service encore. Mon, oui. Je me rappelle, son père, il était cordonnier. Oh là là, c'était un gamin toujours prêt à rendre service. Ça, y a pas à dire. Et sa mère, elle vendait des légumes comme moi, puis de l'herbe aussi, des herbes aromatiques. Ah oui, c'était bien. Ils vivaient bien heureux, tous les trois. Sauf que... Tic-tac, tic-tic-tac, c'est le bruit de la canne sur le pavé. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, c'est le bruit de la vieille qui vient d'arriver. La pa 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 da pa pa la da da pa pa da pa 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 da 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 pa pa da 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 pa da pa pa. Tic-tac, tic-tic-tac, le bruit de la canne sur le pavé, c'est le bruit de la canne de la vieille qui vient d'arriver. Qu'est-ce qu'il a, mon nez? Ah, mais vous avez vu le nez que vous avez? Il est tout crochu, plein de verre. Qu'est-ce qu'il a, mon nez? Plaît pas, mon nez, petit? Eh bien, tu en auras un tout pareil. Ah, mauvaise marchandise, hein, mauvaise. Non, mais ça ne va pas, madame. Eh, dites, tout à l'heure, c'était les herbes, là. Maintenant, c'est les choux. Peut-être qu'elle ressemble à un chou. Oh. Et si elle continue... Ah, ben, si je vous le dis, si elle continue à bouger comme ça, votre tête, elle va finir par tomber avec des choux et personne n'en voudra plus. Eh bien, tu n'en auras plus. plus de coups du tout. Regardez-le venir, regardez-le chanter. Voyez le sourire, mais voyez comme il est laid. C'est le nain au long nez, au long nez. Surprise, maman. Ah, mais qui êtes-vous donc? Mais c'est moi, c'est un con, maman. Mais enfin, qui êtes-vous, enfin? Mais c'est moi, c'est Jaco. Jaco, mais enfin, vous n'êtes pas Jaco. Qui voudrait envie de vous faire passer pour mon fils comme ça? Mais c'est moi. Mon pauvre petit, qui a disparu depuis 7 années. Mais non. Et n'insistez pas, sinon j'appelle de l'aide. Allez, ouste. Mais c'est maman. Ces roules tablettes étaient vraiment délicieuses. Qu'on m'amène celui qui les a confiées. Ah si, c'est vous. S'il vous plaît. Boulettes que je viens de déguster. Non, elles sont... Oui, voilà, passez-moi. C'est bon. Tout à fait. Bon, premier cuisinier. Alors, vous recevez puis une bourse d'or, de cul d'or. Une petite, hein, une petite. Oui. Et puis, voilà. Attendez. Chaque personne qui travaille pour moi reçoit un nom. Je vais vous nommer... Non. Regardez-moi un peu. Ah, long nez, ce sera parfait. Long nez. Ah oui, long nez. Le cuisinier long nez. Allez, mon petit. Allez. Vous, première chose du bon cher Riquet, je vous ai promis...
promis, n'est-ce pas, il y a tout simplement la mort. Oh, mais non, 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 alors je vous avais donné une chance, n'est-ce pas? Vous avez eu une chance, vous n'en avez pas profité. Baissez, s'il vous plaît. Merci. Oh. Hein, c'était un pâté de train tempérant et pas un pâté de je ne sais pas quoi. Alors, si on veut se moquer du roi, n'est-ce pas, eh bien, on finit par en payer les conséquences. Bon, écoutez. Écoutez, dans ma bonté, étant donné que je suis magnanime, je vais encore vous donner une chance. Oh, si, être vous. Mais attention, c'est la dernière. Oui, c'est si bien. Demain, à la même heure, je n'ai pas mangé un pâté de train tempérant, votre tête sera... Oui, bien sûr. Oui, oui, bon, ça va, ça va, ça va les relever. Vous. Merci, sire. Oui, oh, bah, oui, merci, sire. Oui, mais merci, sire, je vous dis que c'est un duduc. Hein. Merci, attention, c'est un duduc. Merci, sire. Oui, ben, c'est un duduc. Allons, c'est un duduc. Mais cette histoire n'est pas terminée. Vous voulez en savoir plus? Eh bien, venez au spectacle, le petit Jaco. Avec Alain Aimé. Et Pascal Crétin. Regardez-le venir, regardez-le chanter. Voyez le sourire, mais voyez comme il est laid. C'est le nain au long nez, au long nez.